Salut les amis, c'est Fusion64 et Backsniper. Salut. Ouais, salut. Donc là on est retourné au village en attendant parce qu'on n'a pas trouvé la base militaire. Donc là Steven y a regardé sur la carte et puis là c'est parti, on y va. En espérant ouais, la vas-y. Trouver. Ouais, c'est parti. Ce sera l'épisode 3, il me semble. Ouais, ouais. Ça, 3. Alors, du coup, là, on est dans quel village, en fait? Alors là, on est dans La Potino, en français, mais en anglais, c'est Mona... en russe, c'est Monastnoro. D'accord, donc Monolivre, ok. Ouais. Donc, apparemment, il faut suivre la route là, tout le long, et nous, on avait coupé par la droite pour aller plus vite, et ce qu'on n'aurait pas dû faire. Mais de toute façon, du coup, j'ai pu récupérer ma caisse de munitions. Oh, on a été rechercher la caisse de munitions sur la route. Il faut dire qu'elle est pleine, quand même. Ouais, on va pas laisser ça au premier venu. Ni au dernier. Hein. Ouais. Même si je crois que le dernier y aurait rien eu. Hein. Une balle. Donc c'est cette route. Dans le crâne. Faire, hein. Et c'est loin ou pas là? Bah apparemment ça a l'air pas si loin que ça. Hein. Ah si loin, sur la carte ça fait pas loin, mais en vrai ça fait loin en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Sur la carte ça a toujours l'impression que c'est court. Logiquement, si on est sur la bonne route à gauche, à un moment on va avoir un cabanon dans les arbres. Logiquement. Le truc que je peux dire, il y a que ça que je sais. Sur la carte. En arrivant sur le village, on est retombé sur trois zombies aussi, putain. Ouais, ça sera dans mon zap, ça. Moi, j'enregistre tout le temps H24, au cas où si un jour on meurt. Même si on joue pas beaucoup à Orléans. Et pour l'instant, on est environ à 7 heures de survie, environ. Ce qui est déjà, franchement, je trouve que c'est pas mal. Ouais, on verra sur la vidéo, mais là, 7 heures, bah, parce que sur internet, il marque le temps de vie moyenne, c'est 3 heures. Donc là, ouais, il faut dire qu'on a, ouais, puis on a pas croisé trop de gens, en fait. Ouais, ouais, quand on croise des gens, soit on les évite, soit qu'on les tue, alors. Et, de toute façon, vu qu'on joue en duo, c'est un peu plus facile que quelqu'un qui joue tout seul, d'ailleurs. Bah ouais, parce qu'on a double inventaire, du coup. Ouais. Déjà, rien que ça, c'est juste énorme. Surtout si quelqu'un il tombe inconscient, qu'il se mort par exemple, il tombe dans les pommes ou quoi, à nous deux, il peut lui administrer de la morphine ou quoi pour le réveiller, ou n'importe quoi dans le genre-là, en fait. Donc juste ça facilite la chose. Et pour l'instant, même si on n'a que été blessé, on n'a pas encore vraiment été gravement malade ou quoi. Pour l'instant, on a de la chance. J'arrive. De toute façon, je touche du bol, hein. Mon bureau est en bois, donc... Là, tu m'as mis une longueur, j'ai remis mon inventaire parce que tu sais, sinon ça te fait des carrés blancs. Tu peux t'attendre? Non, vas-y, trace. Oh, vas-y, je t'attends. Bon, ça me dérange pas, moi. Quoi que là, ah, si. Non, moi, je te vois. En fait, la route a fait plein de zigzags et nous, on avait voulu couper droit parce qu'on croyait que ça allait aller plus rapide en fait. Mais je crois que ça nous a tout simplement trop dévié en fait. J'espère au moins avoir le temps d'aller arriver jusqu'à la base avant de quitter. J'ai même pas le temps si j'aurai le temps vraiment de fouiller des bâtiments. Moi je sais pas toi mais moi je vois déjà des hangars militaires. Hangars à avion devant. Ouais c'est ça, on est arrivé. Ouais, on est arrivé à la base militaire, c'est bon. Donc c'est voilà. Par contre, je serais bien d'avis qu'on sorte une arme quand même. Vas-y, moi je suis à la M16. What? Ah oui. Merde, je l'ai rangé. Dès qu'on a le moindre doute sur si c'est toi ou quoi, dès qu'on se demande quoi, on lève la main. Ok. Bon, après, si c'est un ennemi que tu lèves la main, je crois qu'il va te shooter. Putain, moi j'aime pas, c'est les tours de garde là-bas. Ouais, ça c'est base militaire, ça veut dire. Ouais, c'est base militaire, ça. what? On va par où? Ah c'est par là, on peut ouvrir la grille mais j'arrive pas, attends. Il y a toujours du logo mais elle s'est pas ouverte.
Ah, c'est bon. Par contre, je suis sûr qu'il va y avoir du zombie. Vas-y, la moitié colle. On s'est avancé. Faut que qu'elle est grande la base militaire, je crois. Ouais. Vu que c'est la plus grande de la map. Et tu voulais pas des sticks à un moment? Ouais, mais là j'ai pas de place. Ouais, bah moi non plus, attends, tu sais quoi? Ah si. J'ai ramassé des bâtons de bois. Moi je serais d'aller d'aller voir ces. Les gros hangars? Non, les petits là-bas, les espèces de dortoirs. Vas-y, bah en plus, t'as vu, tous les hangars qu'il y a à gauche et à droite? Et partout. Tout le monde en fait de la piste, il y en a. Quand moi j'aime pas, c'est se balader en plein milieu de la piste comme ça. Ouais, en même temps, je vois pas par où on pourrait passer. Ouais. En droite, il y a des tours de contrôle apparemment. À droite? Ouais, où t'es devant toi, il n'y a pas une tour de contrôle. Je sais pas. De toute façon. T'es où? Tu rentres dans le bâtiment là? Ouais. Vas-y, c'est parti. Deuxième. Moi je fais la deuxième truc. Ah, il y a des pantalons. On a les. Au fond direct et puis on se pose. Vas-y. Au fond direct? En bout. Au fond là. Ah, ok, d'accord. La porte que t'as ouverte, elle est pas ouverte en fait. En fait, il y a que des sacs apparemment. Que des sacs, mais de la même taille. Ah, par contre. Ouais, j'allais dire la couleur, je la préfère, mais on s'en fout. Ah, oui, pour l'instant, là, il y a eu que des potes avant. Ah. Bon, qui te laisse passer, toi qui recule pour me laisser passer, c'est ça? Non, parce que j'ai raté la porte. Si ça a dû être visité. Tu crois? Bah les portes sont ouvertes et tout. C'est toi? Mais... Ouais. Là, déjà y'a rien, j'ai dû regarder. T'étais voir l'étage? Non. Tu sais, j'aime pas monter les escaliers. Et pourquoi on passe pas là-bas? Il y a quelque chose là-bas. D'ailleurs, bah d'ailleurs, il y a les bâtiments là-bas, non? Il ne veut pas? Ouais, ils étaient pas chargés. Ah ok, bizarre. Parce que moi je les vois super loin, là-bas je vois mieux la tour de contrôle. Ouais, moi aussi, maintenant je les vois. Pourquoi je viens descendre de tir et tout? Ouais, tu vois, il y a des trucs bizarres en fait. Ah, ouais, là dans le bâtiment, on peut rentrer. Vas-y, rentre, moi je passe derrière. Il y a une porte derrière, je rentre. Putain, j'ai une langue. Mec, moi, il n'y a pas de porte devant, c'est simple, donc je vais devoir revenir avec toi. Ouais. Je crois qu'il y a une porte là. Ouais, c'est un trou là, il s'ouvre pas. Il s'ouvre pas, mais pourtant, les fenêtres sont trans... y a des fenêtres transparentes, donc c'est là qu'on peut rentrer par un moyen. Il y aura une porte quelque part que j'ai pas dû voir, sinon. Gagne les fenêtres là, ils sont cassés donc il y a moyen de rentrer. S'ils sont cassés, c'est à dire qu'on peut le bâtiment et on peut rentrer dedans. Là, la porte là, elle est pas ouverte, celle-là, la grande là. Si elle est ouverte, c'est où là? Bah, je vais voir la tour de contrôle. Okay. Enfin, normalement, je vais voir là. Il y a un casque militaire. Comme le met. Ouais, bah, mets-le. Oui, je préfère en fait. Enfin... Hein? Je préfère quand même le mettre. Alors après c'est pas joli mais...
C'est balistique, hein, donc c'est-à-dire que ça résiste aux balles, non? Ramène-toi, j'ai tiré une balle dans la tête, on va voir. Non, pas de sérieux, je pense que ça protège. En vérité, ça protège. Pourquoi je peux pas le mettre? J'ai des putains de bugs, mais... Ça, on va mettre là. On rentre dans le premier grand hangar. Ok. Ouais, j'ai des gros lags, j'arrive pas. Ouais, moi aussi. Toi aussi, tu galères à mettre des objets au sol et prendre des autres objets. En fait, j'ai des rollbacks de dingue. Ah, un viseur. Ah, c'est où? Ah, je l'ai mis sur mon M4. Vas-y, on va se fuiter. Et du coup, ça m'a enlevé la poignée, en fait. Ouais, ok, mais ça change rien là, c'est OG. Tu peux viser avec? Non. Il est peut-être cassé, tu me diras. Ou il doit avoir une touche. Il y a un sac, mais c'est le même qu'on a. Oh yes! Yes, 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 ça c'est bien ça. J'ai une veste. Ah bah non, merde. Elle est exactement pareille que celle qu'on a déjà. Veste balistique, mais elle avait l'air plus grosse. Et elle est pas de la même couleur. Ça c'est quoi ça? Oh, j'ai trouvé un chargeur. Je sais même pas c'est quoi. Non, moi aussi j'ai trouvé un chargeur. Moi aussi j'ai un deuxième chargeur là. J'ai un magnum mais je l'ai déjà, mais en plus j'arrive même pas à ramasser, donc super. Ouais, il y a une crosse. Encore un sac. Ok, moi j'ai mis un masque à gaz hein, sur moi. Ok. On va te le dire quand même, non? Ouais. J'ai un casque de l'armée et un truc sur moi, sur ma tête. T'es au premier gros hangar, c'est ça? Non, non, là, je suis au troisième. T'as été dans le tour de contrôle? Non. Mec, t'as pourquoi trouver d'armes? Non, juste la lunette ACOG, mais elle est endommagée. J'ai trouvé une crosse. J'en ai déjà une. Une bouteille d'eau, un truc que je peux éviter.
Ok. Toi qui s'est fait attaquer? Non. Ok, il y a un mec qui s'est fait attaquer. Bah j'ai entendu quand même un mec qui s'est fait attaquer. De trouver des rangers, donc je les ai mis à la place. Là, j'ai encore trouvé des accessoires pour une arme. Ouais, moi aussi j'ai trouvé une lampe de poche qui s'accroche au truc. Ouais, moi aussi, puis une connerie. Quoi? Bah, ah là, il y a des rangers, je crois. C'est des bottles jungle, je sais pas quoi. Quoi, t'as déjà été dans celui-là? Non. Et je suis dedans sur le contrôle. Il fallait passer à côté du pistolet. Putain. Ah putain, il me faut encore de la place. Je vais faire ça. Mais là, j'ai rien trouvé dans cet hangar. Moi, j'ai trouvé une arme à feu. C'est quoi? Un pistolet. On le tient, je crois. Et. Des munitions. Beaucoup de munitions. J'ai failli tomber comme une merde. La tour de contrôle, là, j'étais. T'as été dans le grand truc où il y a une tour où t'as directement été aux hangars? Directement été aux hangars. Ok, bon, j'ai arrêté moi après. Donc après, on se donne rendez-vous à un endroit et on la quitte, non? Ah, moi je quitte en tout cas. Tu peux continuer, mais il faudra que tu quittes au même endroit que je suis. Ouais, bah de toute façon moi je vais arrêter l'épisode du coup là. Donc ouais ben on vous dit ciao les amis et puis on se retrouvera pour la suite de la fouille de ce hangar. Donc ciao bye bye. Ciao.